Donc, voici, je suis dans la salle que je préfère, les salles PECT, pour un travail collaboratif avec les étudiants. Les étudiants se situent autour des tables Marguerite où il y a un discours, il y a une négociation de savoir, des connaissances, surtout avec les étudiants étrangers qui viennent des disciplines différentes et cultures différentes. Au lieu d'avoir un enseignant qui essaye de faire un transfert de connaissances, là, le fait que le travail soit fait interactivement a le résultat que les savoirs acquis restent dans le mémoire à long terme. Il y a une co-construction de connaissances et savoirs entre les étudiants. Ils travaillent en petits groupes, ils font leur recherche en groupe et ils résolvent des problèmes économiques, politiques. Et je suis là plutôt comme ressource pour encadrer un petit peu les questions conceptuelles et historiques. Et ils récupèrent toutes les données, les liens, les exercices sur leur site web dédié. Par rapport à une salle classique, je dirais qu'un des avantages vraiment hyper importants, c'est qu'on a 4 écrans dans une salle qui est à peu près de la taille d'une salle classique pour le coup. Mais du coup, ça nous permet une visibilité sur les cours qui est vraiment, vraiment très avantageuse par rapport à une autre salle. On est très proche ou très loin d'un écran, donc on peut tous s'adapter en fonction de nos vues, etc., de ce qu'on veut faire. Et c'est vraiment un point très positif. Alors pour les cours où on est beaucoup en groupe, on a beaucoup de travail de groupe à faire, c'est vraiment génial parce que ça permet de faire une interaction plus active entre les élèves. Quand on est tous en rang, c'est vrai que c'est compliqué que tout le monde soit impliqué dans le travail en groupe, alors qu'en rond, ça change vraiment tout. Oui, c'est vrai que je suis assez d'accord, c'est un avantage d'avoir des tables rondes plutôt que des rangées. Tout le monde se voit, on peut facilement tourner nos ordinateurs, montrer à chacun nos travaux, ce qui n'est pas du tout le cas sur une salle qui est vraiment en rangée. Et puis, je pense que même pour le professeur, c'est un point de vue très positif, parce qu'il peut vraiment se balader partout dans la salle de manière très simple, beaucoup plus qu'une salle justement sur des rangées totalement droites en fait. Donc c'est aussi un avantage vis-à-vis de notre proximité avec le professeur qui est plus à même de venir nous voir, d'observer ce qu'on fait, de participer à nos projets, d'essayer de nous aider aussi sur les projets. Donc je pense que c'est des deux points de vue, c'est assez positif. SK, créateur d'avenir.